Fabien Thibault peut remercier sa bonne étoile. C'est sur son compte Facebook que l'artiste québécoise de 70 ans a révélé plus tôt ce vendredi 20 janvier qu'elle a récemment été victime d'un grave souci de santé qui l'a menée à subir une opération du cœur. Ce vendredi 20 janvier, Fabienne Thibault a saisi son compte Facebook pour expliquer la raison pour laquelle elle s'est faite discrète sur ses réseaux sociaux. La vie est souvent surprenante. Depuis quelques mois, j'éprouvais des douleurs thoraciques allant dans le cou et les bras. Je n'étais pas en forme, mais de là à penser à ce qui m'attendait, a-t-elle d'abord écrite avant de donner plus de détails sur ce qui s'est passé. En tournage en Auvergne, j'ai eu plusieurs alertes la nuit. Alors avec Christian Montagnac, son mari, ex-régisseur de la compagnie Créole, note de la rédaction, nous sommes descendus de Besse au CHU de Clermont-Ferrand. Nous sommes rentrés à pied dans l'urgence tranquille. J'ai souligné mes malaises en 5 minutes branle-bas de combat, électrocardiogramme et tout le toutim. Fabienne Thibault a subi une opération du cœur. L'artiste québécoise, qui est passée à côté de la mort, révèle ensuite avoir subi un quadruple pontage à cœur ouvert. Diagnostic, lendemain matin, quadruple pontage à cœur ouvert avec les artères de la racine du cœur atteintes. Je me serais effondrée n'importe quand, dans la rue, au moindre effort, je serais morte, a-t-elle raconté, assurant ensuite que l'opération s'était bien passée, sans aucune séquelle. Après avoir révélé ses soucis de santé, Fabienne Thibault a remercié l'ensemble du personnel médical qui a pris soin d'elle. Je voudrais dire mon immense reconnaissance à l'unité cardiaque du CHU de Clermont-Ferrand, chirurgien, médecin, interne, infirmière, aide-soignante, cadre, gens d'entretien, tous d'une exceptionnelle compétence, attentionnés, avec qui l'on peut rire et être rassuré même dans des moments aussi dramatiques. Grosse frayeur pour Fabienne Thibault avant que la célèbre auteure-compositrice-interprète ne prenne la parole sur ses réseaux sociaux, l'hebdomadaire France Dimanche avait dévoilé l'information selon laquelle Fabienne Thibault aurait été victime d'un malaise et aurait ressenti une forte lourdeur au niveau de la poitrine, alors qu'elle préparait le tournage du film Lave dans lequel elle devait prêter ses traits à une paysanne auvergnate. Article écrit en collaboration avec Cimedia.